37 000 kits scolaires, c'est le nombre total des sacs écoliers garnis de fournitures scolaires distribués par la coordination des députés de Mont-Saint-Jo, conduite par l'honorable François Ndouna en cette année scolaire 2022-2023. Depuis notre première mandature, nous avons pris certains engagements vis-à-vis de la population de Mont-Saint-Jo, au nombre desquels figure l'accompagnement des parents pour la réussite des rentrées scolaires, en dotant les apprenants de toutes les écoles de Mont-Saint-Jo, du CP1 jusqu'au lycée, des kits scolaires. Aujourd'hui, pour cette rentrée 2022-2023, cette cérémonie est rehaussée de votre présence. Cette cérémonie officielle de remise de matériel scolaire a connu la présence des autorités de la force publique et de la communauté éducative, sans compter les élèves bénéficiaires et leurs parents. Monsieur l'inspecteur, recevez à titre symbolique les kits scolaires pour les apprenants de la commune de Mont-Saint-Jo. Le conseiller pédagogique à l'inspection de l'enseignement primaire de Mont-Saint-Jo a salué ce geste. Honorable François Ndouna, les mots nous manquent parfois pour vous exprimer notre profonde gratitude. Votre esprit patriotique et votre amour à l'endroit de la population scolaire de Mont-Saint-Jo, nous vous félicitons. Il s'est ensuivi la distribution à proprement dite des kits dans les salles de classe par l'honorable Yves Tsoumou. Les appréciations reçues des parents et enseignants relèvent que ce projet de distribution des kits scolaires améliore énormément les résultats des élèves et soulage les parents d'élèves démunis.